Bonjour chers amis, bonjour le monde. Aujourd'hui, pour une nouvelle vidéo en mathématiques, notamment les calculs de limites, parce que ça vous intéresse beaucoup. Mais dans cette vidéo, je vais beaucoup améliorer votre défaut. Alors, vous devez savoir calculer les limites des fonctions composées. F, rond, G, vous attendez ça. Ce n'est pas compliqué. Prenez le sang-froid à résoudre. Je vais vous montrer dans cette vidéo comment procéder. Mais je vous conseille d'adhérer à la formation Baccalauréat. Avec moi, vous serez des meilleurs. Alors, chers amis, d'abord, avant de débuter la correction des différents exercices ici derrière, alors je vais un peu vous expliquer le fonctionnement de fonctions composées. Alors, sur ce, je vous demande de suivre attentivement. Thème, calcul de limites. Fonction composée. Soit f rond g, une fonction composée. Pour calculer sa limite, il suffit de calculer la limite de g et trouver un résultat. Après, pour la suite, il suffit de prendre le résultat, trouver pour la transformer en limite, puis trouver un résultat définitif. C'est un peu gênant d'écouter toutes ces informations. À travers cet exercice, je vais vous apprendre à déterminer chaque réponse à l'aide de la technique de F-G. Alors, exercice. Dans chacun des cas suivants, calcule les limites des fonctions composées. En 1, limite lorsque x tend vers moins l'infini de racine de x au carré plus 2x moins 2. En 2, limite lorsque x tend vers plus l'infini de x sinus de 1 sur x. En 3, limite lorsque x tend vers moins l'infini de sinus de 1 moins plus x sur x moins 3. En 4, limite lorsque x tend vers plus l'infini de cosinus de pi x sur 2x plus 1. Chers amis, suivez comment l'on procède à la résolution des différents exercices à l'aide de F1G, c'est-à-dire des fonctions composées. Résolution. Nous allons donc calculer les limites des fonctions composées. Calculons les limites des fonctions composées. Alors, chers amis, nous allons procéder au cas numéro 1. Limite lorsque x tend vers moins l'infini de racine de x au carré plus 2x moins 2. Très facile. Prendre son sang-froid. S'organiser, savoir quelle est la fonction appelée f, savoir quelle est la fonction appelée g. Alors, soit f rond g égale à racine de x au carré plus 2x moins 2. Vous supposez qu'une nouvelle fonction contiendra le nombre de f rond g. Et cette fonction-là, est ce que l'on a donné. Une fois que c'est fait, vous dites à présent que f de x serait donc égal à racine et vous attendez à l'intérieur de racine, vous rencontrez x au carré plus 2x moins 2. Vous dites que g de x est égal à l'écriture qui se trouve dans la racine, x au carré plus 2x moins 2. Quant à cette racine, étant donné que cette racine ne peut jamais rester simplement comme ça, sinon ça va tomber, alors vous prenez le ligne connu appelé x pour la fabriquer là. Alors, voici les deux fonctions. G de x égale à ce qui se trouve en bas de la racine et f de x égale à racine de l'inconnu. Si l'inconnu était bêta, ça serait racine de bêta. Une fois que c'est fait, vous calculez d'abord la limite de g. Calculons la limite lorsque x tend vers moins l'infini de g de x. Alors, c'est ça que nous allons calculer. Ça devient limite lorsque x tend vers moins l'infini de g, autant g de x est égal à x au carré plus 2x moins 2. Alors, la limite lorsque x tend vers moins l'infini de g de x serait donc égale
tout en utilisant la propriété qui nous dit il faut cibler le volume le plus haut degré. Alors, ça va faire la limite. Lorsque puissant même moins l'infini, il se parle. Dans ce cas-là, la limite. Lorsque puissant même moins l'infini de g de x serait donc égal à plus infini. Vous venez de trouver plus infini. Alors, plus infini devient la nouvelle limite à calculer la fonction f de parabole. C'est qui sous-entend que nous allons donc calculer la limite en plus infini de f. Calculons la limite en le résultat trouvé s'appelle comment, cher ami? Le résultat trouvé s'appelle plus infini de la fonction f de x. Pourtant, on vient de signifier que la fonction f de x est égale à racine de x. Alors, ça devient limite lorsque x tend vers plus infini de racine de x. Simplement, en bas d'une racine doit être toujours positive. C'est qui sous-entend que la limite en plus infini de racine de x avec le volume le plus haut degré, on obtient toujours plus infini. Nous allons donc dire que la limite lorsque x tend vers plus infini de f de x est égale à plus infini. Le résultat définitif est attribué au 2. Ça sous-entend que la limite lorsque x tend vers moins l'infini de la fonction f en g est égale à la réponse de 2. Dans notre cas, qui est appelé f en g? Dans notre cas, la limite lorsque x tend vers moins l'infini de notre racine de x au carré plus 2x moins 2 portera comme valeur plus infini. Chers amis, pour le premier est terminé. Nous allons donc passer au cas numéro 2. En deux, nous avons encore la limite lorsque x tend vers plus infini de x sinus 1 sur x. Comment procéder? Chers amis, dans ce cas de sujet-là, faites beaucoup attention. Vous devez utiliser le changement de variable. Le changement de variable est très utilisé ici. Vous pouvez aussi utiliser f en g. Je vais vous montrer la technique du changement de variable. Technique. Changement de variable. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il faut changer? Posons. Grand X égale à 1 sur X. Et tirer la valeur de petit x là. Petit x serait donc égal. Et petit x prend la place de grand x et grand x prend sa place. 1 sur grand x. Quand petit x tend vers plus infini, grand x va tend vers. Combien? 0. Vous comprenez? Réel signifie 0. Désormais, on a la limite. Lorsque grand x tend vers 0, de quel élément, cher ami, remplacer petit x par 1 sur grand x? Et remplacer 1 sur petit x par grand x? Alors, à présent, nous avons limite lorsque grand x tend vers 0 de sinus grand x sur grand x. La réponse d'ordre 1 est une limite de référence. Alors, chers amis, c'est dans ce cas que nous allons donc dire limite lorsque
petit x envers plus infini de x sinus 1 sur x est égal encore à notre limite lorsque grand x tend vers 0 des sinus grand x sur grand x. Simplement, nous avons donc dit que cette limite-là donnait 1. Alors, nous pouvons donc être fiers de dire que la limite, lorsque petit x tend vers plus infini de x sinus 1 sur x, nous donne 1. Nous passerons encore au cas numéro 3. Le cas numéro 3, il s'agit de calculer la limite lorsque x tend vers moins l'infini de sinus facteur de 1 moins pi x sur x moins 3. Très simple. Utilisons encore la technique de fonction composite. Pour ce faire, supposons que f rond g égale à sinus facteur de 1 moins pi x sur x moins 3. Après cette information, disons que f de x égale à sinus et g de x égale à 1 moins pi x sur x moins 3. Étant donné que l'inconnu est appelé x, alors il s'agira de sinus x. Il faut calculer la limite de g dans un premier temps. Calculons la limite lorsque x tend vers moins l'infini de g de x. Ce qui signifie limite lorsque x tend vers moins l'infini et le g de x est égal à 1 moins pi x sur x moins 3. Simplement, étant donné que la limite est en l'infini, il faut prendre le volume le plus haut degré. Alors, depuis la classe de première, cette hypothèse est donc utilisée. On aura donc limite lorsque x tend vers moins l'infini et en haut, on aura encore moins pi x et le bas, on aura donc x. Moins pi x en haut et le bas x. Après simplification, limite lorsque x tend vers moins l'infini de g de x serait donc égal à pré-simplification moins g. Une fois que c'est fait, nous allons donc dire que notre réponse trouvée portera le nom de pi, car g de x est connu. La limite, lorsque x tend vers moins l'infini de g de x, nous trouvons encore moins pi. Pour continuer, il faudra maintenant calculer la limite lorsque x tend vers moins pi de la fonction f. Alors, calculons la limite lorsque x tend vers moins pi de notre fonction f. Ce qui sous-entend limite lorsque x tend vers moins pi de f de x est égal à la limite lorsque x tend vers moins pi et la fonction f de x s'appelle sinus de x. Une fois que vous arrivez dans ce cas-là, vous remplacez le x par moins pi. On aura donc limite lorsque x tend vers moins pi de sinus moins pi. Sinus est une fonction impaire. C'est du sous-entend. Je vais signifier ça. Sinus est une fonction impaire. Ce qui sous-entend que sinus de moins alpha fait moins sinus alpha. Alors, cher ami, ça sous-entend que limite en moins pi de sinus de moins pi donnera encore simplement limite lorsque x tend vers moins pi de moins avec la propriété de sinus.
Étant donné que sinus pi, à l'aide de la calculatrice, donnera 0 en valeur, alors notre réponse égale à 0 car sinus pi donne à l'aide de la calculatrice 0. On aura donc limite lorsque x tendre moins pi de f de x égale à 0. En conclusion, la dernière réponse est le résultat attribué aux deux fonctions composées. Ce qui sous-entend que la limite lorsque x tend vers moins l'infini de la fonction f rond g est bel et bien égale à la limite lorsque x tend vers moins l'infini de la fonction donnée par le professeur sur x moins 3. Quelle est la réponse attribuée aux deux? C'est la réponse définitive. Il s'agit donc de 0. Alors, la limite, lorsque x tend vers moins l'infini de sinus 1 moins pi x sur x moins 3 est bel et bien égale à 0. Cher ami, vous voyez comment c'est très intéressant. Nous allons donc poursuivre. La limite lorsque x tend vers plus l'infini de cosinus pi x sur 2x plus 1. Très facile. Comment procéder? Simplement, utilisation de la fonction f rond g. Soit f rond g égale cosinus pi x sur 2x plus 1. Dans ce cas-là, quelle est la fonction f de x et quelle est la fonction g de x? G de x est la fonction qui se trouve dans la parenthèse. Px sur 2x plus 1. Et f de x, il s'agit donc de cosinus. Étant donné que l'inconnu est x, alors on parlera de cosinus x. Dans ce cas, nous allons donc calculer la limite lorsque x tend vers plus infini de g de x. On aura donc limite lorsque x tend vers plus infini et le g de x est égal à px sur 2x plus 1. Lorsque vous calculez la limite en infini, vous prenez le volume bleu de bien en haut et celui du bas. Dans ce cas-là, nous trouvons limite lorsque x tend vers plus infini de g de x. Nous trouvons à présent limite lorsque x tend vers plus infini et là, nous allons donc prendre x et le bas, nous allons prendre 2x. Après la simplification des x et x, nous allons donc avoir limite lorsque x tend vers plus infini de g de x est égal à pi sur 2. Une fois que c'est fait, nous allons donc dire que la nouvelle limite à laquelle il faut calculer la fonction f, il s'agit donc de pi sur 2, très simple. Nous allons donc dire, calculons la limite lorsque x tend vers pi sur 2 à présent, de la fonction f de x. Dans ce cas-là, on a limite lorsque x tend vers pi sur 2 de la fonction f. Pourtant, f est égal à cosinus x. Nous allons remplacer le x par pi sur 2. On aura donc limite lorsque x tend vers pi sur 2 de f de x égale, et si vous remplacez là, vous obtenez limite lorsque x tend vers pi sur 2 et on a cosinus et vous remplacez le x par pi sur 2. À l'aide de la calculatrice, cosinus de pi sur 2 nous donne 0. Connaître le tableau ou le cercle de l'équipe. Alors, avec cosinus pi sur 2 qui donne 0, nous allons remplacer cosinus pi sur 2 par 0. On a limite lorsque x tend vers pi sur 2 de f de x est égal à 0. La réponse trouvée est attribuée aux deux. On aura donc limite lorsque x tend vers
plus infini de f au rang g égale encore à la limite. Lorsque x tend vers plus infini de f au rang g est appelé cosinus de pi x sur 2x plus 1. Dans ce cas, nous allons donc dire que cette réponse f au rang g est attribuée à 0. Alors, la limite, lorsque x tend vers plus infini de f au rang g, nous donnons donc 0. Ce qui sous-entend que la limite, lorsque x tend vers plus infini et f au rang g égale à cosinus de pi x sur 2x plus 1, nous donnons aussi 0. Alors, chers amis, j'ai été très content de partager la vidéo de fonctions composées avec vous. Alors, pour une prochaine fois, nous ferons encore la suite en intégrale.